Depuis 2014, le sofosbuvir, cette molécule miracle, et c'est un médicament générique de dernière génération qui représente un énorme espoir pour les malades marocains qui étaient privés de ce traitement jusque-là. Représente une vraie révolution dans la prise en charge des malades atteints d'hépatite C et donc un espoir. Souvent, quand on découvre la maladie, elle a déjà fait des ravages. Ça fait déjà 10 ans, 20 ans qu'on l'a en soi et on la découvre souvent tard, vers 50, 60 ans. Il faut trouver d'abord le princeps. C'est primordial. Si on n'a pas le princeps, on ne peut rien faire. Ensuite, il faut l'analyser. Il faut pouvoir avoir tous les constituants. Et à la fin, la troisième étape, c'est reconstituer en fonction de l'analyse et voir par des tests connus mondialement si le princeps répond aux mêmes normes ou si le générique répond aux mêmes normes que le princeps. L'étude du dossier a été très rapide et puis surtout, ils nous ont soutenus politiquement, c'est très important. Vous savez, moi, j'ai une histoire. L'histoire, c'est que j'ai travaillé au ministère, et là, vous allez me faire pleurer, je ne veux pas. J'ai travaillé au ministère de la Santé dans les années 70. Il y avait des responsables étrangers de laboratoire qui venaient me dire « Mais pourquoi vous nous contrôlez? Vous n'êtes pas capable, vous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. » Et je me suis juré qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise. C'est un risque que je prends, mais c'est un risque minime. Parce que s'il n'y a pas au Maroc, j'ai beaucoup de demandes à l'étranger que je refuse pour le moment. D'accord? Donc c'est un risque qui existe, mais il est calculé, il est minime. On a ce département qui est indépendant en nom et en machine. Pour la simple raison, c'est que quand une idée qui peut être émanante de vous, en tant que praticien, SSP, c'était sur Baldi. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez? À garder vos patients et qu'ils aient le même effet thérapeutique. Il y a le pH du milieu, parce que vous avez envie qu'il soit absorbé au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. Et il y a cette motilité de ces deux organes qui sont l'estomac et l'intestin. Et bien cette machine est créée dans ce sens-là. Et puis le pilote.